Il a les ruses du diable. Il nous fait croire qu'il est parti. Il n'est pas parti. Or, quand vous comprenez, il y a un pacte qui a été signé entre elle et l'esprit. Donc, elle ne doit pas abandonner cette secte. C'est une secte. Vous me permettez ça, je le dis. C'est une secte. Un endroit où on ne lit pas la parole de Dieu, c'est une secte. Où la Bible n'est pas notre principe de base. Nous ne marchons pas selon les préceptes bibliques. C'est une secte. J'ai échangé avec elle, je ne connais pas cette religion. Mais la Bible n'est pas au centre. Je suis désolé, c'est pas une église. C'est une secte. Il y a la différence d'une église. C'est une secte. Donc l'esprit ne veut pas, comprenez. C'est ma chose. Comprenez. Or, cette vie appartient à Jésus. Oui, sa vie appartient à Jésus. Tu m'as bien entendu? Chose. Je brise les pactes que les parents tissaient avec le royaume de la sorcellerie. Laisse-la. 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 Vous avez l'esprit monte et puis il vient se localiser dans son ventre. Il bouge, il se localise dans son ventre. Il bouge. Il vient se pencher dans son ventre. Il bouge. Tu vas partir. Tu vas partir. Tu vas partir. Tu vas partir. Oui. Lâche-la. Lâche-la. Oui, lâche-la. 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 Oui, va-t'en. Lâche-la. 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 C'est du long mystère. Non, il est mystère. Je le connais. Je connais ce genre d'esprit. Tu vas partir. Tu vas partir.
Il s'est dit, moi, je suis trop prêt. Et quand un matin, il est prêt de délivrance. Quand vous loupez une délivrance, vous détruisez une vie. Ah oui. C'est comme un serpent, quand vous êtes blessé. Vous devez être très dangereux. Donc ceux qui veulent faire délivrance, donc ça s'apprête, hein. Vous n'êtes pas délivré. Vous détruisez la personne. Laisse-la. 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 Libère-la au nom de Jésus. Libère-la. Et là dans sa poitrine. Et dans sa poitrine, tu vois là, tu vois, dans sa poitrine. Tu es dans ta poitrine, tu vas partir. Tu vas partir. Au nom de Jésus. Jésus. Ça va? Tu te sens à l'aise? Tu te sens à l'aise? Regarde ta place. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il faisait la délivrance dans mon esprit et poumon. Le démon s'est manifesté. Je chasse le démon, il ne bouge pas. Je chasse le démon, le gars est prêt. Tombe. Je paye, il est tanoué. C'est-à-dire l'eau, c'est là. C'est l'esprit des eaux tanoues. C'est une rivière, un lac. Ouais. Je parle, le démon ne touche pas. J'ai fait une action, je suis pas dit prendre de l'eau. Le Saint-Esprit va prendre de l'eau dans le robinet. J'ai pris l'eau. Quand j'ai présenté l'eau, l'esprit commence à crier. J'ai dit, j'ai un point de contact entre toi et l'eau. Quand j'ai versé, l'esprit est parti. C'est pour ça qu'à matin de délivrance, il faut écouter le Saint-Esprit. Il faut écouter le Saint-Esprit. Amen. Vous avez vu l'action? Paf. Alléluia. Amen. Donc ce soir, vous allez prendre. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, Jésus va te délivrer. Jésus va te délivrer. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour très important. C'est le jour de notre délivrance. Amen. Il faut que Dieu nous délivre. Amen. Vous allez prendre le nom de vos parents, c'est-à-dire le côté de maman et papa, tout ce qui a été semé, la connexion satanique, c'est-à-dire le fait que le diable a toujours un droit, nous allons briser ça. Tout ce que nos parents ont fait, le fait que nous-mêmes avons des problèmes, nos enfants ont des problèmes, nous allons régler ça ce soir. On dit amen? Amen. Nous levons les mains, amen. Quand j'ai fini, on me suit pas, maintenant il y a un gars de corps, hein? On le paye pour ça. Il m'a fait un gars de corps, donc si il a fini, il me prend et me mène dans ma voiture. C'est pas fait de malin, hein. C'est comme ça qu'on m'a envoyé le gars. Faut pas dire le prophète, il a percé, maintenant il fait malin. Non. Je suis homme, depuis 10 heures, je suis ici. Oh, vous là, vous me voyez, elle est fatigable. Vous ne pensez même pas que le prophète doit se reposer sur un brin de santé. S'il ne se repose pas, oh, je dois me reposer, avoir assez d'énergie.
revenir attaquer les démons. C'est ce que vous n'avez pas. Moi, Jésus, je suis, n'est-ce pas, acteur, en train de prier. Vous ne voyez pas ça, hein? Vous êtes assis, regardez, il ne doit pas prier aujourd'hui, là. Dieu merci qu'on a un gars qui contrôle tout ça. C'est souvent important. L'onction, ça s'entretient. L'onction se protège. Et ça, c'est beaucoup important. Nous, les Africains, pas ces ministères à nous. On prend mes sangs sur nos têtes et ça nous détruit. Or, quand tu es fatigué, il faut te reposer. Amen. Amen. Oh, moi, je travaille beaucoup la nuit. Beaucoup. Alléluia. Amen. Dieu va vous délivrer. C'est ça qui est plus important. Amen. Oui, il faut que Dieu vous délivre. C'est ça qui est plus important. Nous disons merci au Seigneur et nous commençons à prier. Alléluia.